Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Jeudi au cinéma Le Club, ses soirées court-métrage à partir de 20h15. Au programme, 8 films primés dans les festivals du monde entier. Comme La nuit des sacs plastiques, c'est l'histoire d'Agathe, 39 ans, qui a qu'une seule obsession, avoir un enfant. Mais des sacs plastiques prennent vie et attaquent la ville. J'ai rien contre toi, je veux dire par là c'est que je comprends pas ta démarche et tout. À la basse-cour jusqu'au 26 septembre, retrouvez Manuel Pratt à 20h30. Il dévoile les craintes d'un comédien avant son spectacle, ses trucs pour briser le trac. Il se confie, parle de sa peur de vieillir, de son changement physique. Au menu, humour noir, autodérision et ses déconseillés au moins de 16 ans. À la source, ne manquez pas Cannibal, jeudi à 20h30, entre dancehall, ska et dub hawaïen. Un moment qui sonne français aux côtés Polynésie française. À l'espace Aragon de Villars-Bonneau, jeudi, retrouvez Eva Rami avec Tais-toi. Au cœur de ce spectacle, Elsa, qui a du mal à trouver sa place, elle est confrontée au regard familial et paternel et à celui de son milieu professionnel. Elle interprète différents personnages attachants, mégalos et fantasques. Jeudi à l'Iliade, retrouvez la dizaine de ukulélistes pour un concert festif et théâtralisé entre rock, blues, humour et bonne humeur. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.